Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien. Là je viens de courir avec ma nouvelle paire de Saucony. Regardez, elle est incroyable, je vous jure. Du coup, quand j'ai couru, j'ai fait un temps de 6 km. Du coup, je vous affiche juste là. J'ai fait 6 km en 37 minutes par là. J'ai essayé de faire un semi-marathon dans 3-4 mois. Les gars, ça va charbonner à fond la course. Petit chat, là on va aller manger. Bon, là les gars, on se retrouve dans ma chambre. Je viens prendre ma douche. Je vais faire ma petite routine du matin. Donc, je vais vous l'expliquer. Je pense demain ou après-demain. Je vais vous dire ça. Donc, là on va aller manger. C'est un repas classique hein, que je fais pratiquement tous les jours maintenant. Donc, je vais vous montrer ça, les refs. Les gars, du coup, je me suis fait deux œufs avec deux galettes de riz et avec du beurre de cacahuète. Les gars, on est le soir, il est 21h et regardez ce que j'ai reçu. Hop. C'est l'ensemble lucide. Donc, les gars, il est incroyable comme ça. Je vais vous montrer derrière. Là. Il y a la petite lune et franchement les gars, il est dingue. La Cali, incroyable. Du coup Gali, je t'aime fort. Et donc là les gars, j'ai fini les cours à 17h30, j'ai fait muscu en cours, voilà. Et les gars, là j'ai fait mes devoirs, j'ai un peu regardé pour mes sens et je regarde Vinland Saga. Donc les gars, grosse dinguerie, je vous jure. Et là je suis en train de chercher des petites idées à faire sur YouTube, voilà. Aussi les gars, j'ai acheté un nouveau livre, regardez. C'est le livre de David Goggins, Plus rien ne pourra me blesser. Du coup je l'ai pris en version française, il est sorti aujourd'hui. Donc les gars, je viens de l'acheter. Il fait beaucoup de pages, il fait au moins 350, grosses pages comme ça. Donc les gars, on va bien le lire tranquillement. Je pense dans un mois je le lis. Dans un mois j'aurai fini l'autre, je pense. Excusez-moi. Donc dans un mois j'aurai fini l'autre. Sa vie elle est incroyable, j'adore sa life, j'adore son mindset, j'adore tout chez lui, achetez-le vraiment. Je vais montrer, mais du coup j'ai reçu ma paire de Saucony, donc voici à quoi elle ressemble. Oh là, elle est un peu crado, mais franchement elle est en très bon état. Et je vais essayer de bien les garder en bon état parce que vas-y... Je courais avec des Nike avant et franchement je les ai bien niqués. Donc là, les gars, on va essayer de faire du bon taf avec. Je vais essayer de courir environ, je sais pas, 500 km. Enfin, je sais pas, je verrai. Donc les gars, la vidéo va sortir dimanche soir. Putain, mais c'est grave beau ça, vraiment. Gali, je t'aime fort. Et je vais sans doute faire une commande chez MyProtein. Je peux m'acheter mes compléments alimentaires là-bas, loin de là. Je vais m'acheter des vêtements parce que les vêtements MyProt c'est une dinguerie, je vous jure. Et mes compléments je vais les prendre chez Broadway. Je vais m'acheter de la whey et du magnésium. Magnésium, très bon complément alimentaire pour le sommeil. Les gars, c'est super important. Il m'en reste là du magnésium, mais il m'en reste. Et donc les gars, j'ai commencé à lire ce One Thing. J'en suis à la moitié, si vous voyez là, attendez. Hop. Bon, il me reste encore tout ça là, mais bon. Franchement, c'est vraiment cool, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que en fait, les lignes elles sont pas grosses, regardez, enfin les pages surtout. Il y a des graphiques des fois, comme je peux vous montrer là. Mais genre vraiment c'est pas gros comparé au livre de David Goggins, où là ça va être un peu plus dur de lire parce que regardez comment les pages elles sont, c'est des gros pavés, genre il y a que ça. Mais bon, là les gars, si vous lisez ça, votre culture va être x 10 000, je vous jure. Même lui en vrai, hein, je vous jure, j'ai appris pas mal de trucs. Mais bon les refs, je vais vous laisser. Demain, séance dos biceps. On va mettre l'ensemble demain pour être trop beau et trop sexy. Donc les gars, à demain. Bon les gars, là, on va à la salle et on va faire dos biceps. Les gars, j'ai une pomme. J'ai une compote. Pomme framboise, les gars, c'est une dinguerie, je vous jure. Achetez tout ça.
et j'espère être sponsor par Pumpot un jour. So I started to study. And while I studied it, I came with this crazy conclusion. I'm just being a bitch. When I say bitch, it's not gender specific. It's a mindset. In Godlish, it means weak, soft, feel sorry for yourself. Get your ass up and lace them up. Stay hard. 17. You don't know me, son. Get it. 18. You don't know me, son. Get it. 19. You don't know me, son. Yeah. 20. You got some more in there. 21. Yeah. Get it. Yeah. Come on. We want to see it. Good. Good. Who's going to carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on. 23. Come on. 24. One more, Damon. Who's one more? Going to carry the boats. What is wrong? You will never understand what is wrong with me. Be great. You want to be the baddest motherfucker ever at what you do. You could be misunderstood by everybody. Bon les gars, là on a terminé la salle l'En Marche. On est dans le noir. On est dans le noir, hein. Oui. Non, en vrai, on a fait une trop bonne séance. Là, il y a du The Weeknd, ça pue sa mère. Bon les gars, là je suis à la salle de sport. Après la brocante, j'ai pas mangé, mais on va faire une séance jambes. On va faire une petite séance jambes et après, je pense qu'on va aller courir un petit peu. Donc, je vais vous montrer tout ça. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, les refs. Oh. Je m'appelle Ambroise Louis. Je suis né, j'avais déjà de l'ambition. Chez moi, c'est bisous, on a bisous. Mes jeunes espions dans les buissons. Louis, loué, comme le. Je devais pas aller à la salle parce que la salle elle est fermée pour les moins de 18 ans. Mais il y a un pote, il m'a ouvert cet homme. Bah, forcément, je l'ai pas trouvé. Et je suis claqué, je vous jure. Là, on fait du leg extension à fond, dégressif à mort, comme premier exo, comme ça on se tue bien. Et voilà. Là, je suis que, je vous jure. Et on fait le taf. Il y a une colonie de deadlifters. C'est une dinguerie, gros. Je suis pas très bien où je me trouve. C'est mon quotidien, parfois je sais plus si je connais. Y'a des neigeux comme moi qui se connaissent. Mais la fève se mélange pas, tu connais. Toujours dans les coins reculés. Avec des grands hommes que je connais depuis v'là les biches. La fève à la maîtrise. Veut finir sa vie en Afrique, pas en Amérique. Si le devoir m'appelle, je porte mes gloves. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis tant d'années. Un que je m'appelle veut de la deux. Je lui dis un j'ai pas parce que je sais qu'il est condamné. La fève veut ouvrir des portes. Tant de haine que je déborde. Dans ma city, je suis content. Là, je suis mort. J'ai fait 50 minutes de cardio. Je vous jure, c'est horrible. Je vais mettre les chronos là. Je vous jure, je suis presque en train de vomir. Du coup, j'ai fait 50 minutes parce que, en fait, là, c'est divisé par deux. Parce que j'ai appuyé sur cette merde. Et je vais vous mettre tout ici. Là, il y a les calories. Bon, là, les gars, je suis rentré. Je vous jure, je suis mort. Les gars, faire du cardio le soir. Alors que vous avez dormi 7 heures, vous êtes resté environ 5 heures sur une chaise. Et ensuite, avant de faire ça, vous avez fait des jambes. Et ensuite, vous avez couru. Les gars, c'est horrible. Donc, les gars, ce soir, je mange des steaks avec des pâtes. Beaucoup de pâtes, beaucoup de glucides.
parce que là j'ai fait du cardio, j'ai mis 200 grammes de pâte complète avec deux steaks avec un œuf. Ce soir les gars, allez, je vais tout croyer. Je vais vous mettre l'assiette. Fini cette journée les gars, je voulais vraiment pas courir mais bon, je l'ai fait quand même. Donc, si vous voulez pas faire un truc, les gars, faites-le quand même. Je vous jure que si vous les faites, les gars, vous aurez des résultats et pas les autres qui ne le font pas. Donc, les gars, là, ça va dodo. Je vous jure, les gars, je suis trop fatigué. Bref, bonne nuit, à demain. Les gars, là, on est à 9 km. Il me manque 1 km et ça sera mon premier 10 km. Les gars, je vais terminer ça. Bon les gars, je viens de finir le run. Je vais vous le mettre juste là. J'ai fait 10 km en 1h02 allure EF, donc endurance fondamentale. Après, j'ai fait un beau run. Là, je suis en claquette. Je vais vous laisser là-dessus sur ce magnifique coucher de soleil. On voit même pas. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura du lourd. Donc je vous dis bonne soirée les refs et portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à liker. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et les gars, je la sors juste ce soir. Du coup, big up à vous et à la semaine prochaine.